Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier numéro de La Mise à Jour, votre récap quotidien d'actualité du jeu vidéo en 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on va parler Next Gen avec une démo assez décoiffante. Vous allez comprendre le jeu de mots tout de suite après, vous inquiétez pas. On va rester dans le même thème avec la DualShock 5 qui décide de se dévoiler via une petite vision d'artiste by Let's Go Digital. Au sommaire également, Cyberpunk 2077 qui décide de dévoiler un peu plus ses quêtes annexes. Mais également, The Last of Us, partie 2 qui décidément sera assez mature. On va voir ça tout de suite. Bref, c'est parti, on se met à jour. Bon, on le savait, The Last of Us Partie 2 sera un jeu particulièrement mature. La preuve, le SRB, donc l'équivalent du PEGI aux États-Unis, a déclaré que le jeu contiendrait des scènes à caractère sexuel. Petite particularité, c'est que c'est la première fois de toute l'histoire des productions Naughty Dog qu'un de leurs jeux intègre ce genre de contenu. C'est vrai que dans le trailer du dernier State of Play, on avait pu voir un personnage à moitié à poil se faire torturer, donc ça promet d'être quelque chose d'assez dark. Passons à Cyberpunk 2077, John Mamet, le directeur du studio de CD Projekt Red à Cracovie, a dévoilé de nouvelles informations pour les quêtes annexes. Apparemment, il y aurait 75 missions jouables scénarisées qui s'appelleraient les Street Stories. Ces dernières vous permettront entre autres d'upgrader votre personnage ou encore d'explorer le monde de Night City. John Mamet est également revenu sur la vision à la première personne qui fait pas mal débat chez les joueurs. Il précise que cette dernière sera paramétrable et que vous pourrez désactiver le balancement de la caméra quand vous courez pour améliorer le confort de jeu. Par contre, mauvaise nouvelle pour les possesseurs de Switch, le jeu n'est actuellement pas prévu sur cette dernière. C'est dommage. Passons maintenant à la Next Gen et plus précisément avec la DualShock 5. Non, calmez-vous, elle n'a pas encore été officialisée. Par contre, on a spoté une vidéo sur internet by Let's Go Digital qui apporte une petite vision d'artiste. La vidéo présente des fonctionnalités qui seront potentiellement, voire même très sûrement, présentes sur la prochaine manette. On notera la présence d'une connexion Bluetooth mais aussi USB-C, un enregistrement de profil pour chaque type de jeu, des sticks interchangeables et paramétrables tout comme les gâchettes, des vibrations haptiques, un grip antidérapant. En tout cas, leur vidéo est vraiment stylée et on croise les doigts pour que la DualShock 5 soit tout aussi stylée. Et on reste dans le sujet de la Next Gen avec, vous allez le voir, une démo assez décoiffante. La dernière version de l'Unreal Engine 4, le célèbre moteur graphique, intègre une toute nouvelle technologie qui améliore l'animation des cheveux. Selon Jonathan Cooper, un animateur 3D ayant travaillé sur la licence Assassin's Creed, Uncharted ou encore The Last of Us, la véritable révolution de la Next Gen, ce ne sera pas le ray tracing, mais plutôt la qualité des animations. Non mais sérieusement, regardez-moi ce niveau de détail et de fluidité dans la démo, on espère vraiment que ça va arriver sur Next Gen, parce que là, on n'en peut plus. On a super hâte. Et comme venu de ces premiers épisodes de Lama, je vous partage la chaîne de la Assassin's Creed Experience, et plus précisément la dernière vidéo de Max, qui vous donnera du coup son ressenti par rapport à la communication qui pourra arriver sur le prochain Assassin's Creed. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir cette vidéo, il vous livre un peu son ressenti à chaud, etc. Donc on vous mettra le lien en description. Voilà, ce premier épisode de la mage est à présent terminé, merci à tous de l'avoir suivi et avant de partir, on a une petite surprise pour vous, il s'agit d'un jeu concours. Vous allez peut-être avoir la chance de pouvoir gagner des nouilles instantanées, donc dites-nous en commentaire ce que vous préférez, voilà, bœuf, poulet, crevette, bref, merci à tous, à très vite. Ah oui, j'ai juste oublié de préciser qu'on a un petit bonus avec les nouilles, il s'agit d'une collector de Dragon Ball Z Kakarot. Pour participer, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de laisser votre plus gros pouce bleu, mais aussi de laisser un petit commentaire. On fera un tirage au sort dans les jours à venir, bonne chance à tous. Voilà, je pense que vous êtes complètement à jour sur l'actualité du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à partager cette mage au plus grand nombre, mais également à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez la chanson. Bref, c'était Momo pour JVM, bye tout le monde.